Je m'appelle Guy Bertrand. J'ai 58 ans. Je suis commandant divisionnaire de police. J'ai 37 années de police judiciaire derrière moi. J'ai traité de multiples affaires. Difficiles. Mais celle-ci ne m'a jamais quitté. Un violeur en série, insaisissable, au mode opératoire glaçant. Une traque qui aura duré près d'un an. Un rebondissement 10 ans plus tard. Et enfin, une répercussion sur ma vie privée. Cette affaire est bien l'enquête de ma vie. Alors à l'époque, en 1994, je me trouvais à la 4e division de police judiciaire qui couvre le secteur du 11e, 12e et 20e arrondissement de Paris. Nous gérions avec mon groupe des affaires de moyenne délinquance à grande délinquance, les agressions des personnes et surtout tout ce qui était sexuel, allant de la simple main aux fesses jusqu'au viol dans divers endroits. En novembre 1994, je découvre au matin une plainte sur mon bureau concernant l'agression d'une jeune femme de 27 ans sur le 11e arrondissement. Agression assez violente et elle est malheureusement violée. Et c'est pour ça que le dossier arrive chez nous. Alors, le mode opératoire, c'est au milieu de la nuit, une femme qui vient se garer avec son véhicule, qui va rentrer chez elle, elle est dans son parking. Et là, au moment où elle aborde la porte d'ascenseur, elle est agressée par un individu par derrière qu'elle ne voit pas venir. L'agression est assez violente parce qu'elle se retrouve tête contre le mur, elle ne voit pas du tout son agresseur. Et ce dernier fait en sorte, tout au long de l'agression, qu'elle ne puisse pas voir son visage. Je vais sur place et nous procédons à ce qu'on appelle des constatations. On demande à la victime s'il a touché le bouton d'ascenseur pour essayer de voir si on peut avoir des relevés d'empreintes. Malheureusement, ce sont des endroits de passage. Et cet agresseur avait la particularité de ne rien laisser. Il faut savoir qu'à cette époque, nous sommes en 1994, l'ADN n'existe pas encore. Nous n'avons pas de fichier, nous n'avons pas de service spécialisé pour relever l'ADN. Donc, on se base que sur les empreintes digitales. Et effectivement, si on retrouve du sperme, là, on peut le faire analyser. Mais on n'a pas d'ADN de contact, on n'a pas toute cette technologie et surtout, on n'a pas de fichier. Les seuls éléments que nous pouvons retirer, c'est la peur de la victime, la violence de l'agression. Un couteau sous la gorge. Et ensuite, un mode opératoire bien particulier quand nous avons un agresseur qui, une fois qu'il a imposé sa présence physique et qu'il a imposé la peur et qu'il a tétanisé sa victime, c'est quelqu'un qui, d'un coup, devient un peu plus doux, et je mets le terme entre guillemets, il parle à la jeune femme, il lui dit des mots doux, il lui dit « t'inquiète pas, je vais pas te faire de mal, je vais te faire du bien ». Il l'embrasse, il lui parle doucement, il la caresse. Le récit de la victime nous fait froid dans le dos. Nous ressentons là-dedans la peur et la violence de ce qu'elle subit. Et le descriptif de son agression et cette plainte m'interpellent quelque part parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce type d'affaires, ce type de dossier. J'en discute avec mon ancien chef de groupe, Gérard Bousquet. Nous avions eu, au mois de juin, 2 agressions similaires sur Paris. Effectivement, ce mode opératoire, couteau, mot tendre, utilisation d'un préservatif, arriver et, par l'arrière de la victime pour éviter d'être vu, ça fait que tous ces éléments-là sont convaincants, nous avons affaire au même individu. À ce moment-là, on a remonté toutes les plaintes qu'on avait eues sur les 6-8 derniers mois pour voir si on avait quelque chose de similaire. Et on s'est rendu compte que en février et en novembre 1993, nous avons 2 autres agressions avec de fortes ressemblances, de fortes similarités.
Donc on est vraiment sur un serial violeur. On essaye de monter quelque chose de cohérent pour partir à la chasse de cet individu. On se dit que l'enquête va être difficile. Cet individu ne laisse aucune trace dans la mesure où il utilise un préservatif. On n'a pas de préservatif, on n'a pas de mouchoir, il ne touche à rien. Il ne nous laisse rien. Ce n'est pas un fumeur, manifestement, on n'a pas de mégot. On ne sait pas comment il arrive sur les victimes, on ne sait pas d'où il vient. On n'a vraiment aucun élément le concernant, sauf le peu que peuvent nous donner les victimes à chaque fois sur un descriptif très léger. On sait qu'il est blanc, on sait qu'il est de taille moyenne, qu'il est plutôt costaud et qu'il a de grosses mains. Et on a un regard. Toutes se souviennent de ce regard. Mais avec un regard, c'est difficile de pouvoir identifier quelqu'un. Donc on partait vraiment avec très très peu d'éléments. Pas de témoins extérieurs, pas de caméra de surveillance dans Paris à cette époque-là et aucune trace ADN. C'était la police à l'ancienne, avec de l'enquête de voisinage et ensuite de la réflexion, essayer de chercher des pistes pour pouvoir identifier cet individu. Les pistes que nous avions, les seuls éléments, c'est que nous avions des femmes entre 20 et 30 ans, plutôt jolies, majoritairement brunes, cheveux longs. C'était des femmes qui attiraient le regard. Et on s'est dit, ce gars-là, il est attiré par les jolies femmes. Il choisit ses proies. Donc c'est quelqu'un qui, du point de vue de la façon d'opérer est très construit. Il n'obéit pas à une pulsion. Et donc le travail, ça a été d'essayer de trouver des éléments concrets entre toutes ces personnes qui avaient des vies qui n'étaient pas du tout les mêmes, mais avec des points communs. Elles avaient toutes des voitures. Donc nous avons vérifié si elles n'avaient pas le même garagiste. Nous avons vérifié si elles n'allaient pas dans les mêmes salles de sport. Si elles avaient des banques communes. Comme toutes les agressions se passaient dans les parkings, nous avons travaillé sur les sociétés d'ascenseurs et les sociétés de nettoyage de parking. Nous avons vraiment travaillé sur les victimes pour voir s'il y avait un lien qui pouvait les unir toutes, un point commun. Nous n'en avons pas trouvé. Alors ça a été un travail sur plusieurs mois aussi. Et pendant ce travail, eh bien, les agressions continuaient à arriver, sans plus d'éléments, avec de nouvelles victimes. On n'en voyait pas l'issue, quoi. On voyait pas l'issue. On va dire comment on va faire pour mettre la main sur ce mec-là. Parce que toute la difficulté dans cette affaire-là, c'est de se dire, et le risque majeur, c'est qu'on sait qu'il utilise un couteau. Il ne l'a pas utilisé pour tuer, mais un jour qui ne sera pas fait comme un autre, il va finir par tuer. À l'époque, en dehors de ces viols à répétition dans l'Est parisien, il y a aussi des meurtres de jeunes filles. Il y a une sorte de psychose qui s'installe dans l'Est parisien parce qu'il y a plusieurs affaires d'assassinat de jeunes filles, certaines à domicile, mais certaines aussi dans des parkings souterrains. À un moment donné, on a pensé qu'on pouvait avoir et l'auteur de viol et l'auteur de meurtre attribué à un seul et même individu. Mais rapidement, le descriptif, bon, nous avions un homme de couleur d'un côté et nous avions un individu de type européen de l'autre, donc on s'est dit que ce n'était pas le même. On apprendra que des années plus tard, que les meurtres, les crimes de sang commis dans les parkings n'étaient pas du tout imputables aux violeurs des parkings, mais à un tueur en série qui est devenu tristement célèbre après, c'est-à-dire Guy Georges, le fameux tueur en série de l'Est parisien, comme on l'a surnommé. Cette affaire devient obsédante parce que on continue régulièrement à avoir des victimes. Je me sens frustré, impuissant, surtout les jours qui suivent une plainte
d'une victime. Une fois au calme à la maison, on ressasse tout. On a fait des rondes de nuit, vous tournez jusqu'à 3h du matin. Il fallait être à 9h au boulot parce qu'il y a le quotidien qui continue. On n'était pas des gens de la nuit, mais on le faisait déjà pour essayer de se rassurer, pour se dire on va aller faire tout ce qui était possible. Hein. Mais bon, on rentrait à chaque fois, on avait chou blanc. Ça n'a absolument rien donné. On attend, malheureusement, l'erreur. Parce qu'ils en font tous une. Mais il faut être là au bon moment. À partir du mois de mars 1995, nous avons constaté, et à notre grande inquiétude, que le rythme s'accélérait et nous étions à quasiment un viol par semaine. Donc on s'est dit, c'est un prédateur de folie. Alors, ça nous faisait peur, un viol par semaine, mais on pouvait penser qu'il avait peut-être commis à ce rythme-là depuis le début, où on avait beaucoup de victimes qui ne se présentaient pas. Et les statistiques montrent qu'il n'y a que 10% de victimes qui se présentent à l'époque pour déposer plainte, d'où le courage de ces 10% de femmes qui viennent affronter les services de police. Quand vous prenez une audition de viol, c'est très perturbant pour la victime. On lui demande dans quelle position vous trouviez, est-ce qu'il a crié, est-ce qu'il a joui, est-ce qu'il a utilisé un préservatif, est-ce qu'il y a eu une pénétration anale, vaginale. Vous imaginez, la fille, elle est là, elle est en train de revivre à travers l'audition, les questions de l'enquêteur, des choses qui sont très intimes. C'est perturbant pour l'enquêteur, parce que je sais que je suis en train de la violer une deuxième fois. Parce que je lui fais dire des choses qu'elle ne voudrait pas dire, qu'elle ne dirait peut-être même pas à son conjoint. Voilà. Elle resterait évasive. J'ai été violée, point, c'est tout. Mais là, vous rentrez dans le détail, c'est très sordide. Au fur et à mesure des plaintes. Alors, on a un mode opératoire similaire. Et aussi, on a constaté que dans certains cas, ils fouillaient les sacs à main, ils prenaient quelques billets et surtout, ils volaient les bijoux. Donc, c'était un élément supplémentaire pour le distinguer des autres. Ce terrible mois de mars 1995, nous sommes complètement dans le brouillard. Jusqu'à cette nuit de fin mars, où une victime est agressée sur le 20e arrondissement. De la même façon que les autres victimes. En rentrant de son parking, elle est amenée de force dans les escaliers de secours de l'immeuble. Et là, première erreur. On attendait une erreur. Quand il abuse d'elle, comme elle doit appuyer ses mains sur les marches d'escalier, il lui sort des mouchoirs Kleenex pour appuyer ses mains. Et il laisse un emballage de préservatif, ce qu'il n'avait jamais laissé sur toutes les autres affaires. Il agresse sa victime, il s'enfuit, elle remonte chez elle. Le coup de chance, c'est qu'elle veut rester à la maison, c'est son fils qui lui dit « Non, tu vas tout de suite à la police. » Il la force à aller. Donc les collègues de la nuit qui étaient sensibilisés par cette affaire depuis des mois, dans la déposition, ils percutent tout de suite au mode opératoire. Ça, c'est l'agresseur que recherchent Guy et Gérard. Donc ils prennent la déposition, elle ne donne pas plus d'éléments
concernant le descriptif. La seule chose qu'elle dit, c'est qu'il avait des chaussures jaunes. C'est ce qui l'a marqué, c'est ce qu'elle a pu voir. Donc on va faire des constatations sur place, on récupère les mouchoirs qu'on place sous scellé. L'emballage de préservatif qu'on place sous scellé, bien sûr. Quand dans le même temps, sur le 12e arrondissement, dans un parking souterrain, un voleur à la roulotte, ce qu'on appelait les roulottiers, c'est-à-dire les individus qui vont casser les voitures pour voler les autoradios, se fait interpeller. Bon, 12e vol à la roulotte, 20e viol, aucun lien, si ce n'est que ça se passe dans un parking. L'individu est amené à notre DPJ. Le collègue de la nuit constate qu'il a des chaussures jaunes. Bon. Et ensuite, il se rend compte que l'individu essaie de se débarrasser d'un étui de préservatif. Ça le titille un peu. Quand la victime revient quelques heures plus tard, on lui présente les chaussures et dit « c'est tout à fait ressemblante à celle que portait mon agresseur ». Bon, ça, c'est l'information que j'ai le lendemain matin en arrivant au service. Je me souviendrai toujours de ce jour-là, le 29 mars 1995. Je descends, il était dans les cellules. La porte vitrée est là, il est assis sur le banc sur le côté. Moi, j'arrive, donc je tape et je penche ma tête. Et à ce moment-là, il me regarde. C'est quand nos regards se sont croisés, moi, ça a été le regard. J'ai eu les frissons. Je ne me suis pas dit, on tient peut-être. J'ai dit, c'est le nôtre. Et donc, ça a été intense. Et il a fallu presque que je me morde la langue pour ne pas exprimer mon soulagement, ma joie. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait demi-tour. J'ai fait comme si rien n'était. Mais je suis monté comme un fou à mon bureau à l'étage. Et voilà. Tout ça, c'était de la lave en fusion. Voilà. On a quelque chose. Des mois de frustration et ça sort là. Et là, branle-bas de combat. Top chrono, c'était parti depuis le milieu de la nuit où il avait été interpellé. On n'avait plus que 48 heures pour faire notre procédure. Cet homme, c'est Patrick Trémaux. Il a 32 ans au moment où nous l'interpellons. Ce que nous constatons dans la matinée au cours de nos recherches, c'est qu'il est connu des services de police et qu'il est connu surtout pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Donc, notre travail, là, a tout de suite été, sur les 48 heures, premièrement, le reprendre sur le viol de la nuit. On constate que la victime s'est fait dérober les bijoux comme beaucoup d'autres victimes. On constate que sur lui, il a une clé de voiture, donc, et qu'il n'a pas de bijoux sur lui quand il est interpellé. Donc ce qu'on cherche, c'est les bijoux de la victime. Premier lien. La victime a reconnu ses chaussures, mais ne l'a pas reconnu physiquement. Des chaussures, tout le monde peut en porter, c'est pas une preuve irréfutable. Donc on va s'attacher dans un premier temps à retrouver la voiture. On va à sa voiture, il est tranquille. On n'a jamais abordé l'histoire du viol. Attention, lui, il pense qu'on est là pour le vol à la roulotte. Donc, tranquille. On arrive à la voiture, on fouille en sa présence. Qu'est-ce qu'on trouve ? Une boîte de préservatifs. Or, le numéro de série de la boîte de préservatif correspond à l'emballage préservatif trouvé sur le lieu du viol de la dernière victime. On retrouve deux couteaux sous le tapis de sol.
on s'excite au fur et à mesure de nos découvertes. Lui, il commence un petit peu à moins s'exprimer. C'était un grand bavard, il était assez sympathique et il parlait beaucoup. Là, d'un coup, il se tait. Et on retrouve les bijoux de la dernière victime qu'elle nous avait décrit dans la nuit. On trouve des paquets de Kleenex. Et là, il se trouve que les deux mouchoirs Kleenex trouvés sur le lieu du viol de la dernière victime ont la même trame, la même forme que la boîte de Kleenex que nous avons dans sa voiture. Donc on récupère tout ça. Alors on a suffisamment d'éléments pour effectivement affirmer que c'est bien l'agresseur de cette dernière victime. Notre travail maintenant, c'est de remonter toutes les autres agressions. Et toujours pareil, nous n'avons que 48 heures pour faire cela. On le tient, mais il va falloir qu'il passe à table. Pour passer à table, il va falloir une audition voilà, qui va être un peu, peut-être un peu musclée. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Parce que, qu'on le veuille ou non, hein, de toute façon, on a beau vous dire le contraire, mais les aveux, c'est les aveux. Hein. Voilà, quand les aveux sont là, tout le monde est content, hein, y compris le procureur. Hein. À notre surprise, il vient facilement sur le viol de notre dernière victime. Il nous explique qu'il est dans le parking, qu'il a agi sur une impulsion, il reconnaît les faits, donc ce dossier-là, verrouillé. On n'évoque pas encore les autres viols que nous avons sur lui. Parce que sur les autres viols, nous n'avons qu'une intuition, c'est notre intuition d'enquêteur. Il suffit qu'il nous dise non et puis on n'a rien à lui servir. Donc dans l'après-midi, on prévoit ce qu'on appelle une parade d'identification. Et en fait, sur les 6 victimes que nous avions, 4 le reconnaissent formellement. Donc pour nous, c'est du pain béni, ça suffit. Au terme de la parade, je lui donne un verre d'eau, il a envie de boire et je maintiens un peu ce contact sympathique qu'on avait avec lui depuis le début. Tout se passe très bien. Et là, il me demande si il peut voir sa petite amie. Je lui dis non. Et là, il s'énerve. D'un coup, j'ai un claquement de doigts. Les yeux changent, l'attitude change, le corps se raidit. Donc là, il commence à s'approcher de moi. On s'est retrouvés front contre front. Je le prends par les épaules et c'est là que je me rends compte de la puissance de l'individu. J'avais un bloc de béton là entre les mains. J'ai eu peur. J'ai ce regard de tueur, ce regard que toutes les filles ont vu, ben moi je l'ai eu en face et j'ai compris. J'ai vécu un dixième de seconde de ce qui leur a traversé l'esprit au moment de leur agression. C'est-à-dire ce regard, cette puissance voilà, qui vous tétanise. Il s'est retourné et il s'est mis un coup de tête sur l'armoire en fer pour montrer sa détermination. Mes gars interviennent pour le maintenir et ça va me jouer des tours plus tard parce que là il s'est braqué contre moi. Et j'ai beau l'auditionner sur « telle victime t'a reconnu, est-ce que tu te souviens de ce parking, de ci, de là ?» Terminé, j'ai rien du tout, j'ai pu obtenir le matin la victime de la nuit, c'était facile, mais toutes les autres, absolument rien. Il passera la nuit en cellule, on verra demain matin. Le lendemain matin, on fait le debriefing avec Gérard Bousquet de tous les éléments qu'on avait eu la veille. Maintenant, il n'y a plus que l'audition à faire. Et c'est là que j'ai dit, bah, écoute, je vais m'en occuper puisqu'hier soir, ça s'est mal passé, qu'il y a eu un petit affrontement, on va essayer de l'avoir autrement. Et donc, Gégé attaque l'audition. Comment je vais faire pour en tirer quelque chose? Bon, les méchants, il les a eus hier. Il ne veut plus entendre parler. La stratégie que je veux mettre en place, c'est celle du gentil, qui va se mettre à sa portée. Je lui dis de s'asseoir, café, cigarette, un peu comme on voit dans les films, hein. c'est le baba. Hein. Donc déjà, voilà, je sens qu'il me jauge. Il me jauge et il dit, bon, c'est qui ce mec-là? Ce qui va suivre, c'est quoi? C'est de la violence? C'est de la compréhension? Et je suis plus flic. Je suis un petit peu psychiatre, celui qui lui demande de se confier. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, écoute, je te comprends, je me mets à ta place, ok? Je suis un mec comme toi. Je suis plus un flic, là. Je suis un homme comme toi. T'as eu des pulsions, je sais comment ça peut se passer dans la tête des mecs, ok? Faut que tu viennes. Il faut
que ça s'arrête. OK ? Il faut que tu te libères. Libère-toi. Libère-toi. C'est tout. Ça fait des années que ça dure. Il faut que tu te libères. C'est ça. Et d'une manière, tout ce qu'il y a de plus ostensible, je lui mets ma main sur la sienne, comme si je parlais à un pote, en fait. Je le regarde dans les yeux et je lui dis, vas-y Patrick, faut qu'il vienne. On était suspendus à ses paroles. Hein. Il va parler, il va m'envoyer balader. Il me regarde et là, il y a deux grosses larmes qui coulent sur ses joues. Et il me dit, oui, c'est moi, je suis bien l'auteur de tout ça. Je lui dis, bah, allez, vas-y, faut que tu te libères. Et là on part sur l'aveu de tous les viols qu'il avait faits auparavant. C'est donc quelque chose qui m'a marqué. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et le juge, effectivement, dans la délivrance de sa commission obligatoire, va nous demander de voir s'il n'y a pas d'autres victimes et de poursuivre des vérifications, d'entendre sa petite amie, enfin, toutes ces choses-là qu'il n'avait pas été possible de faire tout de suite. On extrait Patrick Trémaux de prison. Il nous amène à l'endroit où il cachait ses bijoux, c'est-à-dire dans la cave de son bâtiment. Et lors de la perquisition chez son ami, elle nous désigne les bijoux. Il lui a fait cadeau. Elle tombe des nues d'apprendre que son copain est un violeur en série. Et surtout, ce côté où je porte les bijoux de jeunes femmes qui ont été violées. Ah, ça a été terrible pour elle. Donc on récupère aussi ses bijoux pour les mettre sous scellé et les présenter à l'ensemble de nos victimes quelques temps plus tard. Maintenant, j'ai plus de temps. Mon but, c'est de savoir s'il y a eu d'autres victimes. On contacte directement nos collègues des autres DPJ. Et c'est comme ça qu'on découvre chez eux des dossiers similaires. On est à 8 chez nous, on en rajoutera 6 de plus puisqu'on va arriver à 14 victimes. Donc ces victimes, je les convoque, on leur présente les photos de Patrick Trémaux, elles le reconnaissent, certaines d'entre elles reconnaissent les bijoux. Bon voilà, moi dans mon travail, j'en ai retrouvé 5 de plus dans les plaintes qui ont été déposées, pour lesquelles le mode opératoire, c'est lui. Je les contacte, elles refusent de venir nous voir, elles ne veulent plus entendre parler. Donc j'ai 5 victimes qui n'ont jamais intégré cette procédure. N'oubliez pas, 10% de victimes déposent plainte. Donc je ne vous parle pas de toutes les autres. Combien à côté? Ça, je suis incapable de vous le dire, mais pour moi, vu le rythme qu'il avait les dernières semaines, il y en a beaucoup. Les affaires de violeurs en série n'ont jamais fait la une de l'actualité. Et finalement, c'est un procès auquel la presse, les médias, la télévision n'attachent quasiment aucune importance. Il y a le localier du Parisien qui passe une tête, mais finalement, malgré le nombre de victimes qui ont eu le courage de venir affronter le violeur présumé des parkings, les médias ne s'intéressent pas à cette affaire qui, pourtant, est quand même assez emblématique. Mon rôle, c'est de témoigner à la barre, c'est-à-dire de raconter le récit de cette affaire en tant que chef d'enquête. Donc la cour d'assises, c'est ça, c'est un décorum, c'est un endroit particulier. Vous avez la cour devant vous, donc les magistrats dans leur toge, vous avez les jurés. C'est une grande pièce et le fait, ne serait-ce que de la traverser sur du parquet avec un silence, enfin, vous êtes tétanisé quand vous arrivez à la barre. Il faut être clair, précis, concis, donc je témoigne en environ 2 heures à la barre. Je termine mon récit et j'attends les questions. Aucune question. Rien. Je suis un petit peu déstabilisé et on me dit merci, commandant, et je quitte la salle. C'était une atmosphère assez étrange qui a été aussi amplifiée par le fait que toutes ces victimes qui ne se connaissaient pas avant cette audience ont sympathisé entre elles. J'ai jamais assisté comme ça à des liens qui se tissent aussi fort entre les victimes. 11 victimes assistent au procès sur les 14 qui étaient recensées dans le dossier. Elles ont témoigné à la barre et vont raconter leur calvaire. C'est très, très dur pour ces femmes.
Il se trouve que la victime que j'assistais à l'époque était, on va dire, une des femmes les plus fragiles, qui était encore très, très marquée, très, très atteinte par les faits. Et il se trouve aussi que Patrick Trémaux avait reconnu les faits pour toutes les victimes, sauf pour elle. Elle avait reconnu le blouson de cuir de Patrick Trémaux. Elle avait été terrifiée par son regard. Regard, d'ailleurs, qui continuait à être angoissant, même à l'audience. Il y avait encore un jeu pervers, il y avait encore un jeu de terreur. Et puis, donc, elle a éclaté en sanglots au moment où il a finalement reconnu. Et je pense qu'il avait très bien senti la fragilité de ma cliente et le fait que c'était celle sur laquelle il pouvait encore exercer le plus de pouvoir, même quelques années après. La reconstruction, elle est difficile. Souvent, elle commence après le procès. Mais dans tous ces cas-là, on peut simplement colmater les brèches, mais la reconstruction, c'est dur parce qu'on vous dit « Ah, rappelle-toi, raconte-moi à nouveau. » Et je vais raconter ma nuit d'horreur, et je vais raconter... Voilà. Ma cliente, c'était terrible parce que elle l'a jamais dit à quiconque parmi ses proches, comme si la honte rejaillissait sur elle, comme si c'était elle qui devait avoir honte. D'ailleurs, après le procès, plus personne n'en a entendu parler, y compris moi. J'aurais bien aimé avoir de ses nouvelles et savoir si elle allait mieux et si elle s'en sortait. On est 20 ans après, je ne sais même pas si elle a pu se reconstruire, se reconstituer. À l'issue du débat, le verdict tombe. Il ne prend que 16 ans, dont 8 ans de sûreté. Donc les victimes sont déçues. L'une d'elles a fait la remarque, ça fait un an et un mois par victime. Bah, pas beaucoup, c'est quand même du viol qu'elles vont se traîner toute leur vie quand même. Le traumatisme et toutes ces choses-là. Déception. Grosse déception de la part de tout le monde. Cette affaire est close et on n'est pas au bout de nos surprises. Nous apprenons qu'un certain nombre de victimes veulent nous inviter au restaurant. J'ai trouvé ça formidable. Vraiment formidable. C'est quelque chose qui arrive très peu dans la carrière d'un enquêteur. Et là, ce jour-là, tout ce qu'on avait fait, elles nous remerciaient à leur manière, en nous invitant au resto. J'ai trouvé ça fabuleux. Et ce dîner, pour moi personnellement, a été une révélation, a été très important pour la suite. Enfin, il est déclencheur de beaucoup de choses. L'affaire Trémaux est terminée. On passe une soirée agréable. On peut discuter, poser des questions à des victimes qu'on n'aurait jamais posées dans le cadre d'une enquête. On peut aussi savoir qu'est-ce qu'elles ont fait de ces trois dernières années. Moi, je ne me suis jamais préoccupé de ce qui leur arrivait derrière. Et donc là, on était ensemble comme un groupe. On avait vaincu l'adversité, ensemble. C'est-à-dire policiers et victimes, on était, voilà, on faisait qu'un bloc, contre les salopards. Et on apprend le parcours de chacune. La difficulté, les dépressions, tentatives de suicide. Ne plus aller travailler, certaines ne plus sortir tellement elles ont peur. Ne plus garer sa voiture dans un parking, enfin, toutes ces choses-là qu'on n'imagine même pas. Mais elles sont traumatisées, et ce traumatisme, elles l'ont encore 3 ans après. Et ça a été un tournant, parce que ça m'a permis de découvrir ce qu'était une victime. Elles sont révoltées contre l'individu, mais elles sont aussi révoltées contre elles-mêmes. Comment j'ai pu ne pas résister ? C'est infernal. Toute leur vie, elles se disent, d'une part, j'aurais pu échapper. Deuxièmement, j'aurais pu très bien, ce jour-là, être ailleurs. Et pourquoi je suis rentré à cette heure-là? Et pourquoi j'étais seul? Ainsi de suite. C'est incroyable le ressenti qu'elles ont, ces femmes-là, jusqu'à se refuser à leur propre conjoint. Le traumatisme, ça les fracasse. Et on se rend compte que dans notre enquête, on a eu des propos, des maladresses, on s'en est pas rendu compte, mais elles ont été blessées. On est un peu des goujats, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas s'y prendre. Nous n'avions pas toutes les clés. À cette époque-là, nous n'avions pas toutes les clés. Nous étions à l'âge de pierre des auditions. Ce qui fait qu'on pouvait être dur dans les recevoirs parce qu'on avait des exigences.
Mais vous vous souvenez pas de ça? Enfin, comme si elle pouvait nous raconter tout dans les détails. Voilà, et on était frustrés quand elle n'arrivait pas à s'exprimer, et presque on comprenait pas, mais quand même, vous l'avez vu de près, vous... Non, mais... Et il se trouve que, bon, Marie-Ange et Anne, qui étaient deux des victimes qui avaient le plus de peps et de possibilités, ont obtenu, 3 ans plus tard, la mise en place d'un stage d'accueil et d'audition des femmes victimes de viol à l'attention des policiers parisiens et de la police judiciaire. Un peu avant Noël 2003, Patrick Rémaux fait une première demande de libération. Et les victimes sont informées. Et là, branle-bas de combat, il n'était pas question qu'ils ressortent, le traumatisme était encore là. Elles craignaient pour les autres femmes, parce qu'elles étaient persuadées qu'il allait recommencer. Et elles l'ont dit et répété. S'il n'a pas de soins, il va recommencer. Le juge des libertés et détention ne l'a pas laissé sortir. On a eu un temps d'accalmie. Malheureusement, 2 ans plus tard, il avait fait ses 10 ans, prisonnier modèle, les magistrats ont décidé qu'il pouvait se réinsérer dans la société. Le 7 mai 2005, Trémaux sort de prison après 10 années de réclusion. Il a alors 42 ans. À partir de ce moment-là, tous les matins, mon premier boulot quand j'arrive au service, c'est de regarder tout ce qui s'est passé la nuit sur Paris pour essayer de repérer un dossier qui pourrait ressembler à une agression de Patrick Trémaux. Fin juin 2005, Patrick Trémaux est sorti depuis un peu plus d'un mois et j'ai une collègue qui vient me voir et qui me dit « Guy, voilà, je viens de prendre la plainte, une femme qui a été agressée. Dis-moi ce que tu en penses parce que ça ne me plaît pas du tout. » Donc, effectivement, je lis la plainte. Là, mon sang se fige. Dans ma tête, putain, il a recommencé, le con. La première chose que je fais, j'appelle Gérard Bousquet. Il me dit, écoute, je t'envoie ce télégramme. C'est pour un viol. Et tu me dis ce que t'en penses. Et là, je lis, je regarde le mode opératoire, le signalement. Et je dis, mais c'est Patrick Trémaux. Et il me dit, t'es d'accord? C'est bien lui. Ah, j'ai dit, hein, signalement, mode opératoire, ça colle parfait. Hein. C'est lui. Hein. Je prends contact avec la maison d'arrêt de Melun et je demande à ce qu'on m'envoie la dernière photo prise de Trémaux. Donc, j'ai pris cette précaution. Je descends pour voir la victime avec 10 photos en noir et blanc d'individus, dont celle de Patrick Trémaux. Elle dit, voilà, ça ressemble à, ces trois-là. Bon, voilà. Bon, elle n'a pas une reconnaissance formelle. Je dis, bon, maintenant, il va falloir travailler sur le dossier. Bon, nous sommes fin juin et le temps passe. Et au mois de septembre, je découvre une nouvelle plainte à la première DPJ. Je leur demande un peu plus de détails et ils me donnent effectivement des éléments. Un violeur qui emploie des mots doux, qui est doux avec les victimes, qui les embrasse. Et moi, je leur dis, un violeur qui agit comme ça, j'en connais qu'un seul, c'est Patrick Trémaux. Donc, je leur demande s'ils ont fait une présentation de photos aux victimes. Ils nous ont dit oui. Donc, je leur dis, recommencez, rajoutez la photo de Patrick Trémaux. Elle l'a reconnue immédiatement. Le lendemain matin, donc, nous partons sur Brunois. Nous arrivons au bas de son domicile. Il est 6h du matin. Je dis au collègue, je ne sais pas comment il va réagir. Vous y allez en premier. Et il se trouve que la porte était ouverte. Il est dans la cuisine. « Bonjour, monsieur, police judiciaire, vous êtes Patrick Trémaux ?» Et lui répond « Non, non, je suis son frère, Patrick n'est pas là. » Et j'entends, parce que je suis derrière, je reconnais immédiatement la voix. Je rentre dans la cuisine. J'ai dit « Bonjour, Patrick. » Il me regarde « Ah, oh, salut, Guy, ça va ?» Et comme si on s'était quitté la veille,
Donc, je lui demande, tu sais pourquoi je suis là? Tu vas pas me mettre encore tous les viols de Paris sur le dos. Je dis, non, Patrick, mais peut-être un certain nombre. Et les collègues commencent la perquisition. Et il me dit, tu as vu, Guy, là, il n'y a pas de couteau. Je dis, non, il n'y a pas de couteau. Il me dit, c'est moins grave, hein? Oui, c'est moins grave, c'est toi. Mais quelque part, indirectement, il me le dit. Et il me demande, Guy, avant de partir, est-ce que je peux finir mon déjeuner? Je dis, Patrick, je te fais confiance. Mais oui, oui. Et là, le Patrick, il se coupe son steak parce qu'il savait qu'il allait partir au service et qu'il n'allait pas manger de viande avant un petit moment. Donc, nous rentrons à la première DPJ. Les victimes le reconnaissent formellement. L'une d'elles, d'ailleurs, fait un malaise au moment de la reconnaissance parce que c'est trop fort pour elle. Nous sommes sur 3 affaires de viol en 4 mois. Maintenant, il faut que Patrick s'allonge, comme on dit dans le métier, par procès-verbal. Donc nous sommes le soir, c'est moi qui vais l'entreprendre pendant 4 heures. Il ne veut pas dire où il était, il ne veut pas dire ce qu'il faisait ces nuits-là, il ne se souvient pas. J'ai pas d'autres éléments, hein. J'ai simplement ce mode opératoire, les reconnaissances des victimes, mais j'ai rien à côté. J'ai pas d'empreinte, j'ai pas d'ADN. Intérieurement, je suis fumasse. Jusqu'à 11 heures de soir, il n'y vient pas. Je reviens le lendemain et on essaie. Il vient pas, il vient pas, on sait pas comment faire. Il nous reste plus beaucoup de temps de garde à vue. Et je me rends compte que parmi l'équipe de la première DPJ, il y avait 2 collègues féminines. Donc voilà, à un moment donné, il fallait essayer ce coup de poker. Et toutes les deux, elles ont travaillé sur le côté féminin, sur le ressenti, sur... tu te rends compte de la souffrance que tu as apportée à ces femmes, le mal que tu as pu faire, ce sont des femmes, qu'est-ce qu'elles t'ont fait. Enfin voilà, on joue sur la culpabilité, le remords. Et à un moment donné, il craque. Il a pleuré, il a dit oui, je vais... C'est bon, c'est moi, c'est moi. Donc la culpabilité multipliée par 10 parce qu'il s'adresse à des femmes. Enfin, on a joué là-dessus. Ça a fonctionné. Le soir, je le récupère parce qu'avant de le déférer, j'ai dit, Patrick, quand même, t'es un enfoiré. Tu n'as pas fait les aveux devant moi. C'est pas sympa. Ça fait 2 fois, tu veux pas t'allonger. Qu'est-ce que je t'ai fait? Enfin bref, on joue là-dessus. Et il me dit, en fait, je te respecte trop. J'avais honte de moi et je voulais pas que tu me juges mal. Et puis on s'est quitté, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré très fort, merci. Alors, je lui ai dit, bon courage Patrick, qu'est-ce que je pouvais dire? Voilà, j'étais un petit peu... Et à la fois, ça me touchait quelque part. Même si c'est la personne qui me prend dans ses bras est un violeur en série, donc... Mais voilà, il est parti en maison d'arrêt. J'appelle Anne et j'appelle Marie-Ange, les victimes avec qui j'étais en contact toujours depuis des années, et je leur annonce qu'on a de nouveau interpellé Patrick Trémoux pour d'autres viols. Donc là, elles sont effondrées parce que malgré tout ce qu'elles avaient fait, averti tout le monde, on compte encore 3 nouvelles victimes. C'était un scandale parce que ces 3 viols auraient pu être évités. Enfin, c'était évident, c'est ça qui était terrifiant. On s'est aperçu que rien n'avait été fait durant sa détention et que malgré qu'on n'avait pas envisagé de soins, on n'avait pas envisagé qu'il pourrait commettre d'autres crimes à sa libération. En 2005, quand il retombe, il aurait dû être en prison. Donc ça, c'est assez révoltant. Et de tout ça, j'en tire comme conclusion que nous, policiers, flics, on a fait notre boulot. On a donné tout ce qu'on pouvait. Mais est-ce que la justice a fait le sien? Ça, c'est une autre question. La nouvelle de l'arrestation des années après du violeur des parkings, évidemment, fait les choux gras de la presse. Et évidemment que ça va interpeller les premières victimes de Trémoux. Et là, ils font une conférence de presse qui fait un petit peu sensation.
Plusieurs chaises sont installées là. Il y en a 18 pour comptabiliser toutes les victimes de Trémaux. Elles accusent de manière très véhémente la justice d'avoir sous-estimé le risque de récidive chez Patrick Trémaux. Et cette affaire Trémaux arrive un peu comme un tremblement de terre en plein débat sur la récidive pénale. En février 2009, s'ouvre son troisième procès d'assises. Donc là, c'est la récidive de la récidive qu'on juge quelque part. Autant le procès de 1998 était passé inaperçu, autant là, c'est un peu la piste aux étoiles. Il y a Henri Leclerc de la Ligue des droits de l'homme qui défend Trémaux. Il y a le ténor Éric Dupond-Moretti qui, pour une fois, défend une victime. Et il y a, dans le rôle de l'avocat général, un peu le plus brillant d'entre tous, Philippe Bilger. Et donc, c'est un procès d'une toute autre dimension qui s'ouvre devant les assises. Lorsque je me trouve à la barre après avoir fait mon témoignage, là j'ai eu des questions contrairement au premier procès. L'avocat de la défense, Maître Leclerc, il a beaucoup joué sur ce côté de souffrance de Patrick, de souffrance d'abandon, toutes ces choses-là. En fait, Henri Leclerc fait du Henri Leclerc, c'est-à-dire qu'il n'attaque pas sur les faits proprement dits, qui sont accablants, qui se sont reproduits à l'infini, mais il attaque sur le fait que Patrick Trémaux aurait eu une enfance malheureuse, qu'il aurait été un peu la victime de sa propre existence et que sa dérive criminelle serait imputable à l'enfance malheureuse qu'il a eue. Le discours sur Trémaux, son enfance, son adolescence, ses rapports avec sa mère, ses rapports avec son beau-père, c'est un discours que les victimes ne peuvent pas entendre, parce que pour elles, le fait qu'il ait vécu tout ça ne justifie en rien, n'explique en rien les faits tragiques dont elles ont été les victimes. Trémaux était un enfant non désiré, c'était, selon les termes de sa mère, l'enfant du diable. Au procès, quand elle est venue témoigner, elle l'a totalement ignorée, lui cherchait un regard, elle ne l'a jamais regardé. Ça n'excuse pas les viols, mais voilà, il y a tout un cheminement, il était rejeté. Donc ça, il a basculé dans autre chose. Les anciennes victimes sont venues soutenir les nouvelles victimes. Je pense qu'elles voulaient aussi montrer qu'il y avait ce moment extrêmement douloureux, extrêmement difficile, tragique qu'elles vivaient, mais qu'en même temps, leur vie ne s'était pas arrêtée à ce moment de 2005 où elles avaient croisé Patrick Trémaux et elles pouvaient reconstruire leur vie, elles pouvaient s'en sortir. C'est une manière aussi de venir leur montrer que 10 ans après, elles gardaient toujours cette cicatrice profonde, mais c'était une cicatrice, c'était plus une blessure à vif comme elles avaient pu le ressentir en 98. Patrick Trémaux encourait jusqu'à 30 ans en cour d'assises. Donc on pensait que là, ça allait tomber fort. Et en fait, il n'est condamné qu'à 20 ans de réclusion, dont 10 ans incompressibles. J'ai vu tellement d'affaires où ces violeurs en série recommencent à l'issue de leur détention pour des faits de cette nature. J'ai jamais vu de rédemption. Malheureusement, seul l'avenir pourra nous le dire. Mais moi, je n'ai pas vraiment d'illusion sur ce qui peut se produire à l'issue de sa nouvelle détention. Alors, c'est grâce à cette nouvelle affaire, Patrick Trémaux, qui est voté ce nouveau texte de loi concernant tous les agresseurs sexuels. Au terme de la condamnation, il y aura un suivi socio-judiciaire. S'ils ne le respectent pas, ils peuvent réintégrer la prison sans procès, sans jugement, parce qu'ils n'ont pas respecté ce suivi. Pour moi, cette affaire a laissé beaucoup de traces. Elle me suit depuis 25 ans. J'ai appris que le viol était dévastateur. Il y a des meurtrissures terribles. Mais ça, je ne l'imaginais pas. Cette affaire a touché aussi ma vie privée. Anne, une des victimes, quelques années plus tard, m'a présenté sa meilleure amie, qui est devenue ma compagne, et avec laquelle je me suis marié il y a quelques semaines. Et le témoin à notre mariage, bien sûr, était Anne, qui est sans doute la personne qui a le plus pleuré lors de la cérémonie. Voilà, donc pour moi, la boucle est un peu bouclée, mais quand même,
25 ans après, ce dossier est encore présent dans ma vie.